En vertu de l'ordonnance de Chekanta Diop, il a choisi la voie du guerrier Kamite parfait, arborant impitoyablement l'arme de la connaissance contre l'idéologie suprémaciste obscurantiste. Hey la famille, Hotep, Akpa, Jambo, Fondi. Je suis commandant Simi, artiste kamite panafricain, afrocentrique. Cette vidéo est une édition spéciale en hommage à un pharaon qui est venu accomplir sa mission pour son peuple et qui est reparti comme une comète de passage à une vitesse éclair, Nyusere Kalala Omotunde. Omotunde ne sera plus là pour nous servir ces plats savoureux que nos esprits affamés de lumière s'arrachent âprement comme des nourrissons dépossédés à la redécouverte du lait maternel. Mais il a déjà sémé les graines vouées à être des baobabs de la connaissance. Omotunde ne sera plus là pour nous servir ces plats tout cuits qui régénèrent nos âmes par tous les bienfaits de leur limpidité nutritive et leurs attributs digestes. Mais pour l'éternité, il nous nourrira de l'héritage de ses sémences de savoir depuis les champs d'Yalo. Omotunde ne sera plus là pour nous stimuler, mais il sera toujours là pour éclairer nos cas ruinés par des siècles de mensonges et d'abominations. Nos cas en détresse longtemps rompus à leur essence divine par un obscurantisme millénaire frissonnant de mille frayeurs face aux assauts salvateurs de ce vaillant chevalier des humanités classiques africaines. En un temps record, il est devenu pour le plus grand nombre l'incarnation de la thérapie tant intellectuelle que spirituelle pour une victorieuse réconciliation avec nous-mêmes. Oui, il est devenu l'incarnation de la délivrance. Son impressionnant parcours traduit toute la singularité du génie kamite dans sa grâce divine. L'adaptabilité d'un cursus de communication à la science dont l'alignement de plusieurs disciplines où rayonne l'ardeur prométhéenne et la volonté sans limite de transmission du savoir était toute l'exemplarité de son achet, le pouvoir de faire arriver les choses en langue yoruba. En vertu de l'ordonnance de Chekanta Diop, il a choisi la voie du guerrier kamite parfait, arborant impitoyablement l'arme de la connaissance contre l'idéologie suprémaciste obscurantiste. Redoutable guerrier des sciences, il faisait déjà trembler les rangs ennemis par sa vibration du feu des génies d'Imhotep, de Chekanta, de Sundiata Keïta, de Frantz Fanon, d'Antenor Firmin, de Dubois, de Patrice Lumumba, de Toussaint Louverture, de Bob Marley, de Thomas Sankara, et j'en passe. Pour hélas tomber en énième héros sous le coup de cette lâcheté criminelle traditionnelle qui est le fondement de leur gloire. Omotunde a été brutalement fauché par la bassesse morale, l'ignominie, la déloyauté d'une adversité arrogante, transgressive, envieuse, inculte, barbare, profanatrice, malhonnête. Une adversité dont l'inaptitude à la sagesse est l'objet d'une disqualification cosmique. Oui, Omotunde a été fauché par cette déloyauté viscérale qui n'a de cesse de torpiller les dignes filles et fils de Kemet à la moindre prouesse dans la compétition civilisationnelle. C'est pour nous une très lourde perte. La kamitosphère et la communauté panafricaine mondiale se retrouvent aujourd'hui réunies dans la douleur auprès de la famille proche, en tant que nation d'une même source ancestrale, pour rendre hommage à notre précieux frère, fleuron de la lutte pour la renaissance kamite, parti aussi brutalement. Omotunde est parti physiquement, mais comme son nom l'affirme si bien en langue yoruba, Omotunde où l'enfant est revenu, son cas est plus que jamais revenu à la maison par l'accomplissement de sa mission de restauration de la pensée africaine, fondée sur la cosmologie de nos ancêtres.
la cosmologie kamite, synonyme des sciences les plus avancées et de modernité intemporelle. Mais ce départ brutal renforce plus que jamais notre conscience de communauté, de destin pour la postérité. Dans la contemplation de l'élévation du bas du pharaon Niuseré, Omotunde Kalala, vers les champs Dialou. Haché, haché, haché. Ché, 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 ché. Tenu derrière les barreaux du co noir, le peuple kamite se voit infliger tous les déboires. Des âges farouches, autant dit moderne, l'argent a remplacé le fer de la chaîne. La diplomatie à l'ordre de la civilisation, la domination finasse dans l'exploitation. Par une barbarie, on se blanchit sans une autre. L'esclavage brandit ses nouveaux apôtres. Indépendance sous tutelle oligarchique. On étrique l'Afrique par des guerres asymétriques. Mais le vent que souffle aujourd'hui son indignation précède la tempête de notre libération. Ouais. Hey, nous sommes avec toi sur le champ de bataille pour la libération de Kama. Ouais, ouais, Kalala. Hey, t'as mené un combat de taille pour la libération d'Afrique. Ouais, 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 Omotunde. Hey, tu nous as mis sur les rails pour la libération de Kama. Yeah, 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 yeah. Hey. À travers les airs, autant de tous ces béquets, je vois passer le film des horreurs de Gorée, les séquelles d'une tragique épopée, le cauchemar des Yoruba, les Zoulous, les Mandés de Kingston à Guadamanina, Saint-Domingue, dans tous les pays Congo, Akan et Mandingue, c'est tant le Brésil qu'à tes inébullutions, ouais, ça bouillonne d'un feu dur à l'extinction. Mais nous avons choisi la fraîcheur de l'eau pour soulager les brûlures du cœur et de la peau. Mais la menace du feu est d'une telle immensité et Kasseta nous envoie la plus haute marée. Yeah. Nous sommes avec toi sur le champ de bataille pour la libération de Kama. Ouais, ouais, Omotunde, hey. T'as mené un combat de taille pour la libération d'Afrique. Ouais, 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 yes. Et tu nous as mis sur les rails pour la libération de Kama. Ouais, 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 ouais. Nous sommes avec toi sur le champ de bataille. T'as mené un combat de taille. Et tu nous as mis sur les rails pour la libération de... Tu nous as mis sur les rails. Niuseré Kalala Omotunde.